Que ça a été très très vite. Dès que j'ai vu que j'avais l'ouverture avec ma jambe, bah, je lui ai cassé son genou et par la suite je suis en profité parce qu'elle est tombée aussitôt par terre et j'ai accéléré le plus que je pouvais en fait. Ce low kick, cette espèce de balayette, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que tu fais depuis tes débuts presque. Ça t'est venu comment? C'est quelque chose d'instinctif que tu travailles? Instinctif, je pourrais dire ça, parce que ma jambe, j'arrive à avoir la jambe dure et à chaque fois que je la fais en entraînement ou en combat, bah, les gens s'en rappellent. C'est comme une petite signature. Écoute, félicitations Boubacar pour ce TKO extrêmement rapide. Je pense que c'est un des plus rapides de l'histoire du 100% Fight. Et bah, au plaisir de te revoir à la fin du 100% Fight. Je ne sais pas si tu veux continuer à combattre encore. Non, normalement, Hatch, il a d'autres projets pour moi à l'étranger. Et là, bah, juste qu'on soit en forme et avoir une grosse prépa. Parce que là, franchement, je remercie tous mes coachs, Boris Johnson, Arnaud Templier, Pep et la Hatch Academy. Parce qu'on a vraiment mis le paquet au niveau de l'entraînement cette année.